Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais avant de parler de Kylian Mbappé qui est seulement un des meilleurs joueurs du monde, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo si elle te plaît, mais surtout de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important, c'est pour ne rien rater. Je compte sur toi frérot, et nous les mecs, on est partis pour parler d'Mbappé au Real. D'après la presse espagnole, Kylian Mbappé souhaiterait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid, mais malgré ses envies d'ailleurs, le joueur n'a pas l'intention d'entrer en conflit avec sa direction. Arrivé il y a 4 ans au PSG, Kylian Mbappé pourrait tourner une page importante de sa carrière. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club parisien, le joueur français refuserait de prolonger son bail et aimerait rejoindre le Real Madrid. Dès cet été, le champion du monde 2018 discuterait depuis de nombreux mois avec les dirigeants espagnols, même si aucune offre concrète n'aurait été formulée. Le Real Madrid voudrait attendre la fin du mercato estival pour transmettre sa proposition qui pourrait être importante. Selon Marca, l'opération pourrait atteindre les 150 millions d'euros et Kylian Mbappé pourrait toucher en Espagne un salaire très important. De retour en France après un euro décevant et quelques jours de vacances, Kylian Mbappé ne s'est toujours pas prononcé clairement sur son avenir et n'a pas dévoilé sa décision définitive. Mais selon les informations de Marca, le joueur voudrait rejoindre le Real Madrid. Toutefois, il ne voudrait pas entrer en conflit avec le PSG et n'aurait pas l'intention de forcer son départ. Mbappé espère que le PSG trouvera cet été une solution qui pourrait satisfaire l'ensemble des parties. Dans le cas contraire, le Français resterait au PSG la saison prochaine et disputerait son ultime saison en Ligue 1. Un pari risqué pour Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, et son équipe qui pourrait le perdre gratuitement en 2022. Voici en tout cas pour cette petite vidéo Mercato sur le PSG. J'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'hab, dis-moi ton avis dans les commentaires. Pense aussi à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Je compte sur toi aussi pour activer la cloche. C'est pour ne rien rater, c'est très important. J'ai envie de te dire à la prochaine. Salut!